Bonjour mes belles lumières, j'espère que vous allez bien, c'est Christine L'Amour en Soi. Aujourd'hui une vidéo pour vous présenter un bel ouvrage, ce magnifique livre qui m'a été envoyé par Isabelle, des éditions Très Daniel. Merci Isabelle pour cet envoi, parce que déjà rien que la couverture est magnifique, je le trouve avec ce blanc épuré et ce dessin de mandala. Alors de quoi s'agit-il? C'est un livre qui va vous faire découvrir l'astrologie indienne, qui est donc un ouvrage de François Leleu. Donc grâce à ce livre, vous allez pouvoir interpréter et élaborer votre thème natal, une astrologie de transformation. Donc c'est un livre qui est au prix de 18 euros et je vais vous lire le dos qui va tout vous expliquer. Aller vers la connaissance de soi et la transformation grâce au thème védique. Le Jyotish est l'astrologie indienne liée à l'Ayurveda. Elle se distingue de l'astrologie occidentale déterminée par le soleil, car elle accorde la place primordiale à la lune, siège de la réceptivité et de la sensibilité de l'être. Grâce à cet ouvrage pratique, vous pourrez élaborer votre thème natal pour en percevoir les forces et les faiblesses planétaires, comprendre les raisons des événements de votre existence grâce à l'étude des périodes planétaire et surtout mettre en place en pratique des moyens correctifs des moyens correctifs proposés par le Jyotish de façon simple et accessible par des rituels, des méditations, etc. La singularité du Jyotish est d'offrir des outils de correction de son thème pour modifier certaines faiblesses planétaire lorsque celle-ci occasionne des désordres énergétiques, émotionnels, spirituels ou même physiques. Le Jyotish ne propose pas une vision fataliste de l'existence, mais bien une possibilité de transformation. Alors moi je ne suis pas une experte en astrologie, donc je ne vais pas pouvoir vraiment vous parler d'astrologie, on est d'accord. Je vais vraiment vous présenter ce livre. Donc voilà, vous avez François Leleu qui est là, qui est donc l'auteur de cet ouvrage. Donc comme je vous l'ai dit, Guy Très Daniel qui en est l'éditeur. Alors, vous avez le sommaire. Donc vous avez tout d'abord une introduction. Dans la partie 1, les fondements et les fonctionnements du Jyotish avec la vision de l'existence par le Jyotish, les spécificités de l'astrologie védique, la représentation graphique du ciel de naissance à travers le thème. En partie 2, vous avez les éléments astrologiques fondamentaux, donc la signification des attributs des maisons, les signes du zodiaque et leurs attributs, et les planètes et leurs attributs. En partie 3, vous allez interpréter donc les états planétaires et les règles principales d'interprétation. Et en partie 4, on va avoir 12 cas pratiques par ascendant, donc ascendant bélier, taureau, gémeaux, cancer, etc. Donc dans l'introduction, on vous explique déjà ce qu'est le Jyotish, donc cette astrologie indienne. L'astrologie védique, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc, les fondements et fonctionnement du Jyotish, c'est ce que j'ai bien aimé, puisque j'ai récupéré un paragraphe que je trouvais qui était beau. C'est la force du Jyotish et de considérer que même si une destinée peu réjouissante est consignée par les astres, rien n'est figé et que tout peut être proposé à la transformation, détendu, fluidité, apaisé et rendu joyeux. Le Jyotish est donc une astrologie de transformation, pas seulement une astrologie de description et de prédiction comme l'est l'astrologie occidentale. Voilà ce qui est important de dire. Donc là, on vous parle du karma et de ses différentes formes. Les quatre objectifs de la vie d'après les Védas ou les Védas. Les spécificités de l'astrologie védique. Donc le Jyotish est un système unique tant par son but avéré, la découverte de soi et du soi, que par ses spécificités astronomiques et astrologiques. Donc il a vraiment des spécificités que par rapport à l'astrologie occidentale.
Donc, je ne vais pas vous le détailler, comme je vous disais tout à l'heure, parce que je ne suis pas une experte. Donc, ce qu'on vous disait tout à l'heure dans le texte du dos, donc la place prépondérante de la Lune, donc la Lune ou Chandra en Sankri et la planète Gras privilégiée par le Chiotis, c'est le corps céleste le plus proche et satellite de la Terre où nous résidons. Au mouvement rapide, c'est la planète la plus rapide des corps célestes du système solaire, dont l'orbite autour de notre globe s'effectue en presque 30 jours. Elle représente l'aspect manas, esprit, qui traite de l'esprit et de ses mouvements dans le mental et le champ de conscience, de la sensibilité, de la réceptivité, de l'ouverture intérieure, de l'amour, du mouvement et de la structure mentale. Les domaines dont elle gère les énergies et leur expression dans l'esprit humain sont ceux qui indiquent la réceptivité et la maturité de l'âme concernée. Voilà. Ça, c'est sur la Lune. Les périodes planétaires, qu'on appelle aussi des dashas en Sankri. Donc, vous les avez toutes là. Alors, qu'est-ce que je peux vous montrer encore? Le tableau des effets des dashas, donc avec effets favorables et effets défavorables. Là, vous avez encore des tableaux de synthèse. Alors, on va un petit peu avancer. Là, on est toujours dans les spécificités de l'astrologie. Après la représentation graphique du lieu ciel de naissance à travers le thème. Donc, ça, c'est bien. Les éléments astrologiques fondamentaux. Je vous lis. Hop. Cet ouvrage se veut un guide pratique permettant au lecteur de rapidement interpréter son thème, de percevoir les faiblesses planétaires et de les corriger grâce aux moyens correctifs. C'est pourquoi l'on ne s'attardera pas sur les méthodes astronomiques et mathématiques d'établissement d'une carte natale, car nous utilisons un logiciel d'astrologie védique qui prend en charge les calculs. Il existe des applications et des logiciels de base pour smartphones et ordinateurs gratuits aisément trouvables sur Internet qui édifient la carte natale et calculent les périodes planétaires. Effectivement, vous en avez. Si l'on souhaite travailler sur une interface plus élaborée et plus complète, on peut acheter des programmes de très bonne qualité pour un peu moins de 300 euros. Quand même. Après, vous avez la signification des attributs des maisons. Voilà, avec toutes les maisons védiques. Les signes du zodiaque et leurs attributs ensuite. Et on détaille tous les signes du zodiaque. Ensuite, vous avez 12 cas pratiques par ascendant. J'ai un petit peu, je vous ai pas fait en détail page par page. Donc, on étudie par exemple Laurence, née le 6 novembre 1967 à 16h44 à Paris. Et là, on va faire toute son étude. Vous avez des cas concrets pour faire l'étude. Voilà, donc on passe tous les ascendants. À la fin, vous avez des annexes avec des petits mémos. Donc, par exemple, on reprend synthétiser donc les domaines des maisons, la nature des maisons, les quatre objectifs de la vie, la séquence des périodes planétaires, la maîtrise des signes, les dignités des planètes, les caractéristiques essentielles des signes. Par exemple, moi, je suis Gémeaux, donc c'est communication, curiosité, finesse. Les caractéristiques également des planètes.
Et ensuite, vous avez un glossaire où vous avez évidemment tous les mots qu'on peut ne pas avoir compris qui sont repris ici. Ensuite, la bibliographie, etc. Donc, si vous intéressez, si l'astrologie, pardon, vous intéresse, eh bien, vous pouvez aller découvrir ce livre qui est un petit peu particulier puisque du coup, on n'est pas sur l'astrologie occidentale. Mais si vous avez envie justement d'étudier un autre type d'astrologie parce que l'astrologie traditionnelle occidentale, ben, vous n'y avez pas forcément adhéré. C'est vrai qu'elle n'est pas simple non plus. Et du coup, là, on est plutôt, comme je vous ai dit, sur une astrologie de transformation et pas juste découvrir son thème natal et, ainsi que ses prédictions, mais au contraire, eh bien, changer s'il y a des choses que l'on peut changer. Donc moi, je le trouve très intéressant. Je pense que je vais m'y attarder, parce que moi, je ne suis pas une grande fan d'astrologie occidentale parce que je m'y suis pas vraiment penchée sur le sujet, je me suis jamais penchée sur le sujet, mais je sais pas, l'astrologie indienne, pour avoir lu l'introduction et les premières pages, j'ai trouvé qu'elle me correspondait mieux. Donc voilà. Alors ce livre est livré avec un petit marque-page magnifique, voilà. J'espère que cette découverte vous a plu. Comme je vous ai dit, ben, je ne voulais pas détailler vraiment parce que je ne suis pas une grande spécialiste de l'astrologie. Ce que je vous propose, c'est quand j'aurai un petit peu avancé sur le bouquin, eh bien, c'est de vous en reparler, de vous faire une seconde vidéo un petit peu plus détaillée pour vous dire ce que j'en pense. Déjà, sur l'introduction, comme je vous dis, moi, le fait qu'on nous dise c'est pas simplement que tu connaisses ton thème natal, mais du coup, tu peux la transformer en mettant des outils à ta disposition, je trouve que c'est bien. C'est quelque chose qui m'a plu. Donc, je vais avancer dans ma lecture et quand j'aurai un peu plus avancé, je vous ferai une deuxième vidéo. En attendant, si vous voulez vous le procurer, il est disponible évidemment aux éditions Trédaniel. Je vous mettrai dans le déroulé sous la vidéo tous les liens pour vous le procurer. En attendant, je vous souhaite une belle journée ou soirée et je vous dis à très très bientôt. Je vous embrasse très très fort. Et bientôt, on découvrira un deuxième livre également des éditions Trédaniel. Tiens, avant que je vous laisse, je vais juste l'attraper. Hop. Qui est la vraie formule de Dieu. Rien à voir avec l'astrologie. C'est un petit livre, comme vous voyez. Mais qui est pas mal également. On en reparlera lors d'une prochaine vidéo. Je vous fais des bisous. À bientôt. Au revoir.